Le 25 juin dernier, un parfum d'érotisme flottait dans l'air du très convoité quartier des Arts et Métiers à Paris. Le photographe Wojtek Konajewski nous dévoilait ses fleurs personnifiées et personnalisées avec beaucoup de caractère. Lors du vernissage, les langues se sont déployées sans complexe. Et pas besoin d'avoir la main verte pour parler des fleurs de Wojtek. Kwiaty en polonais. Ça vous avec la partie ici comme elle se vend bien. Ça ne m'étonne pas. C'est un bâtiment qui est bardzo przypominają pracę Roberta Mapeldorfa, jego interpretację martwej natury zwłaszcza kwiatu. Robert Mapelder pracował też w makrami, wykorzystywał potencjał quasi seksualny, formę, która przypominała bardziej męskie genitalia. Wojtka mam wrażenie, że jest to sytuacja bardziej heteronormatywna. Natomiast technika jest zupełnie inna, jest zupełnie posunięta w czasie, jest bardziej współczesna, rewolucyjna, mogłabym powiedzieć. Które mimo wszystko, być może to jest bardzo obskurne, ale mają gigantyczny ładunek erotyczny. Elle est excellente, elle est magnifique. Elle est formidable. Je lui ai trouvé une musique magnifique. Dans quel sens? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Le sexe. Ah voilà, très bien. Il a dit à chier. C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. J'ai vu ses frères en état de naissance, disons comme ça, et j'étais vraiment ébloui par la technicité de Wojtek et quelque chose qui est extraordinaire. Alors moi j'ai vraiment adoré les fleurs, les roses de Wojtek, parce que ces fleurs, elles ont une expressivité, une émotion, et c'est pour moi très spirituel. C'est comme un peu la médecine quantique de la rose, c'est le soin de guérison du monde. Et ça m'a rappelé des choses au Mexique où les femmes guérissent en fait le corps, l'âme, les corps subtils, guérissent avec le pouvoir de la rose qui est le symbole de l'amour universel. Donc voilà, moi je voyage en fait. Très bien, très japonais étonnamment. Certaines fleurs ressemblent belle, à des, robe, hein, des petits, à des insectes dépliés. Qu'on voit qui me ravissent tout à fait. J'aime beaucoup les formats carrés. Le meilleur c'est triptyque la douda bien sûr. Parce qu'on connaît les racines de ces photos. Parce qu'ils sont très colorés, très surréalistes, voilà. Un peu flou, poétique. J'ai inspiré un artiste extraordinaire franco-polonais qui s'appelle Wojtek Konajewski. Et c'est la première fois que je suis à un vernissage, que je fais partie d'une exposition puisque je fais partie d'un triptyque. Les macros de fleurs rouges. Et le fait qu'il y ait des prénoms. Cette exposition dure encore une ou deux semaines à la galerie Aera, 39 rue Volta. Ça arrive. Alors, mon cher, vous étiez ému? Pas du tout. Un parfum enivrant. Des fleurs qui ne vous feront que du bien, c'est jusqu'au 15 juillet à la galerie Area, 39 rue Voltaire.